On est encore mort. Mais je vais quand même mettre les vidéos demain parce que j'ai dit un gameplay par jour quoi. Et puis je pourrais en même temps. Mais avant, ouais, là, je vais plutôt aller essayer de récupérer un peu d'équipement, d'améliorer mes armes. Là, ça va être mieux. Est-ce que je peux faire des cocottes en plus? Je peux prendre un glénat en plus. Et puis un dodo. D'ailleurs, j'ai encore oublié d'aller les voir. Il court et voyage encore plus vite. Ok. Et on est reparti.
Je m'en suis pas servi. On mange plein la gueule. Enfant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vient de se régénérer? Oui. Ces blessures se guérissent toutes seules, comme on était censé. Comment on est censé être une créature invulnérable? Qu'est-ce que c'est? Vous sentez une voix réconfortante? Vous enveloppez. M'attendrez-vous. L'entends-tu? La chanson de la Bula.
je te l'ai apprise il y a si longtemps. Tu te souviens? Il faut que tu la chantes. Maintenant. Chante, chante pour que les sirènes puissent communier avec l'océan. Mets un terme à ce cauchemar. Tu dois lever le voile de ce rêve. Tu as réussi, moi. Émilie, je commence à avoir l'impression que je peux vraiment comprendre ce qu'elle dit. C'est pas trop tôt. Ça veut dire que ma mission est terminée, pas vrai? Je vais enfin pouvoir bouger. Je t'en ficherai des râteaux et des pelles, moi. J'ai le dos en compote. Nous voilà. Tu as pris ton temps, et c'était quoi cette petite affaire dont tu devais t'occuper? Je devais conclure une transaction avec un riche bienfaiteur et pour tout vous dire, ça s'est plutôt bien passé. Oui. Tu te demandes de qui il s'agit. Oh, je suis sûr que tu le détesteras, c'est un individu peu recommandable. Attends, tu as vraiment. Ouais, Anne, tu as réussi à comprendre ce qu'Emo vient de dire. Ah oui, et oui, c'est. Cette linguacite est fascinante. J'ai parfaitement compris Emo. Alors, ce riche bienfaiteur. Oui, c'est le patron de la taverne. J'ai racheté le contrat dont il se servait pour faire pression sur Emo. Vous voulez savoir comment je l'ai fait? Je lui ai simplement proposé d'échanger ce caillou insignifiant contre une bourse pleine de gemmes. Le bonhomme avait des étoiles plein les yeux. Il était persuadé de tenir entre les mains un fabuleux trésor. Plutôt cocasse, penser qu'elles ne valent pas un clou. Je me demande ce qui lui est passé par la tête. Tu sais quoi? Je crois que je commence à t'apprécier. C'est le plus beau compliment qu'une demoiselle m'ait jamais fait. Bref, il me semble que cette linguacite t'appartient, princesse. Le barman s'est occupé de ton contrat. Tu es maintenant libre de vivre comme tu l'entends. Tu peux maintenant aller où bon te semble. Le monde te tend les bras. J'aimerais entendre le son de ta voix. Oui. Je veux venir avec vous. Est-ce que je peux Nanaton? Bien sûr. Alors c'est décidé. Bienvenue dans l'équipe. Par contre, le client de la taverne risque d'être triste qu'on leur vole leur diva. Maintenant que
ne représentent plus une menace, j'imagine qu'ils sont bien trop occupés à la pêcher. Et je continuais de chanter. J'aime les clients et j'adore chanter. Je sais que ça peut paraître égoïste de vous en demander autant, ça ne vous dérangerait pas. Je ne vois pas où est le problème. J'aurais accaparé par mes recherches des gens entiers de toute façon. Et puis tout le monde a besoin d'un but dans la vie, pas vrai? Ah, j'ai failli oublier. Et je peux t'emprunter ton sous-marin pour faire des recherches sur l'unicycle. Bien sûr. Et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, passe me voir à l'atelier d'Anatour. Je sens que je vais pas m'ennuyer avec vous dans les parages. Tu as pu ressentir leur présence. Oui, je les ai sentis autour de moi. J'entends encore leur voix à l'intérieur de ma tête. Leur chant a beau s'être tu, je n'oublierai jamais. Je ne les oublierai jamais. Voilà pourquoi je peux continuer de chanter. Car sans moi, leur mélodie ne retentirait plus jamais. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour la suite.